Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Legend of Zelda Skyward Sword, toujours en confinement bien évidemment. Nous allons tout de suite commencer cet épisode, je ne sais pas combien de temps il durera, j'essaierai d'en faire deux aujourd'hui, donc je pense dans les quarantaines de minutes, voilà. Dans l'idée, en tout cas je pense qu'on finira peut-être l'annel, ou en tout cas commencer. On va du coup tout de suite rentrer dans l'action et éviter de crever, ça serait pas mal. Donc si je ne dis pas de conneries, il nous faut nous rendre à un endroit. Ça c'est cool, ça c'est de la bonne, c'est de la bonne information. Mais peut-être ici, on va aller voir où pointe. Ouais, donc c'est contre ça, c'est certain. Mais ouais, c'est très clairement là. Hein. Et hop. Donc on va s'y rendre. Comment j'ouvre ça, moi? Là, on peut monter qu'avec le grappin. Et ici, je pense que ce sera un passage de retour. Donc, si je saute là, je vais pas pouvoir sauter ici. Non, et là, je monte pas. C'est bien que tu sois fort, mais pas déconner. Ici, on a. Ah oui, je crois qu'il y a des choses à faire ici. Dans ce genre de. De trucs. Là, il y a un machin. Il y a une bombe à faire péter. On peut pas monter ici. Non. Là, on évite le sable mouvant, par contre. Si je fais péter la bombe... Ah, je peux peut-être monter là. Ouais, là, je vais pouvoir monter. Ok. Il y a même un coffre. Il y a même un coffre. C'est parfait. Waouh. Ça c'est moins parfait par contre. Un virevoltant. Je crois que c'est utile pour. Pour des. Enfin, c'est forcément utile pour d'autres trucs. Virevoltant roule parfois sur le sol du désert, mais c'est important, je crois, pour une amélioration qui est vraiment intéressante. On le dit, en général, comme matériau, il est possible de les attraper à l'aide d'un filet à papillon. Ouais, c'est bien ça. De toute façon, on en a un de filet à papillon. Oui, on l'a. On a le filet à papillon. Alors là, je pense pas que le cube ça va fonctionner. Pas la même portée que celui de Breath of the Wild. Alors là, je crois qu'on peut envoyer une bombe. Pile poil. Dedans. Mais si j'étais pas un toto. Alors. On va reprendre des bombes parce qu'on a un sac qui nous permet d'en avoir 15. On va faire le plein. Remonter. Hop. Et cette fois, essayer de ne pas tomber. Ok, il est tombé la bombe, parfait. Normalement, il y a une chronolite, je crois, dedans. C'est ça. Exactement. Et soit j'en renvoie. On va en renvoyer une. Là. Pour l'activer. Zbling! Parfait. Ah, c'est moins parfait. Parce qu'il y avait déjà des ennemis à l'époque. C'était déjà des bocaux blancs. Non, je vais pas faire ça. Allez. Par contre, ils sont vraiment très cons parce qu'ils ont. Ils ont une arme qui me paralysie et tout, mais. Au secours, le robot nous dit. De tuer et hop, les grillages s'enlèvent, c'est parfait. Et lui, il est mort dans notre présent, qui est déjà bien avant tout le monde. Donc, eux, ils datent d'encore plus anciens. Merci de m'avoir aidé. De rien. Tu peux nous dire des choses un peu plus, il me déconnectait. Tiens, je vois que tu as un scarabée, on les fabrique ici à l'annel. Et le tien est un vieux modèle. Ah oui, c'est déjà un vieux modèle. Waouh. Pour te remercier, je vais l'améliorer. Passe-le-moi un instant. On va lui mettre des. On va lui mettre des pinces. Pour pouvoir enfin transporter des bombes. Tintintintin. Le scarabée a été amélioré en scarabée accroché. Ses nouvelles mandibules lui permettent de transporter des objets. Lorsque vous passez en vue aérienne, maintenez Z appuyé. Lorsqu'il transporte, peut-être lâcher. Voilà.
Maintenant, il peut transporter des objets dans ses mandibules. Sois prudent. Ok. Merci bien, mon très cher robot. Pas encore accéléré, malheureusement. Mais on peut faire ça. Hop, changement de vue. Bah, y a un rubis. Hop, et voilà. Il y a des rubis partout. On va envoyer le scarabée. Allez nous la récupérer, parce que nous... On va avoir du mal à y aller. C'est des rubis bleus, je crois que c'est quoi, c'est 10 ceux 5 5. Ça doit être 5. C'est ça. Pas le plus rentable. C'est certain. C'est plus vers là-bas qu'il faut aller du coup. Je pense bien, oui. Ça m'a l'air d'être un chemin un petit peu plus intéressant. Alors on va d'abord sniper lui. Parce qu'au moins il nous fera pas chier. Ok. On va descendre. Parce que le trajet sera plus rapide. Parce que pour le moment le scarabée, tant qu'il est pas... accéléromètre, et ben c'est compliqué. Par contre, je sais pas si on va pouvoir traverser facilement en fait. Si, je ne sais pas, peut-être on devrait pouvoir. Il y a quoi ici? On peut monter un truc là? Y a rien là. Y'a que dalle. On peut aller là? On va essayer. On va essayer. Alors la roulade, mauvaise idée. Très très mauvaise idée la roulade. Il y avait un rubis. Alors, vous me pardonnez de pas l'avoir pris. Hop. On est passé. Ouais, ça sert à rien. Il y a un wagonnet là-bas, ici on ne peut pas monter. Là il y a un piaf. Pas le chiant. J'avais un arc, j'aurais tué, mais. Pas d'arc, il va m'ouvrir une pierre, c'est ça? Ouais, alors on va essayer de le tuer à la bombe. J'allais le tuer avant. Piaf. Va te prendre une bombe dans la gueule. Salut. Résistant le robot. Ça c'est 20 rubis. Ça en prend. Et je pense que ensuite ça nous fait des plateformes, si je dis pas de conneries. Une bombe dans la gueule. Permettant de traverser. Voilà. Ça non par contre. Alors les bombes. Hop. On n'en parle plus. Là-bas, il y a un cul de la DS. On va aller le prendre. Et ça, c'est grâce à toi, mon coco. Allez, tu peux le faire, Link. Oui, 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 oui. Ok, c'est bon. Uf. Alors. Là, on y est. Très bien. De la DS à l'idée. En tout cas, je trouve qu'il y a des idées dans ce Skyward Sword qui mériteraient d'être reprises dans Breath of the Wild 2. Donc en fait, on a la sensation d'avoir des items qu'on utilise souvent, donc un peu à la manière de la tablette Sheikah dans Breath of the Wild 1. Mais dans la tablette Sheikah, le problème c'est qu'il n'y avait pas tant que ça en fait des items. Il y en a
T'as les bombes, mais bon, les bombes elles sont déjà partout. Aïe. Il y a les bombes, et puis en fait, il y a que ça qui me sont vraiment utiles. Merde, elle a pas pété direct. Je pensais qu'elle aurait pété. On lui a pas pété la gueule là, sérieux? Attends. Faut aller chercher la bombe. Mais la mécanique des chronolithes et compagnie, ça c'est assez intéressant. Et non, Breath of the Wild 2, je sais pas ce qu'ils vont en faire. Hein. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Putain, je l'ai loupé. Oh, ça reste. Je sais pas ce qu'ils vont faire Breath of the Wild 2, mais j'ai vraiment hâte qu'ils nous montrent ce qu'ils vont faire parce que ils vont forcément en profiter pour corriger des défauts du premier. De Breath of the Wild, le premier du nom. Et j'espère qu'ils vont vraiment quasiment tout corriger quoi. Que Breath of the Wild 2 serait vraiment le meilleur jeu du monde. Ça serait le feu. Ça serait le feu. Donc j'attends Breath of the Wild 2 bien évidemment avec très grande impatience. On va sauvegarder parce que on n'est pas dans Breath of the Wild 2. On ne sauvegarde pas quand on veut comme dans Breath of the Wild 1. J'ai hâte d'en savoir plus sur l'histoire également de Breath of the Wild 2. Le scénario, parce que le scénario de Breath of the Wild, enfin de Breath of the Wild, ouais, bah il est bien, mais on aimerait plus être acteur du truc, quoi. Parce que ça se passe tout dans le passé, et voilà, c'est pas le plus efficace. On va juste faire ça pour pouvoir repasser plus facilement la prochaine fois. Si, je sais pas ce qui se passe, mais au moins c'est fait. Là, le jeu le sauvegarde. Hop. Créer toute cette corniche pour ça quand même. Je sais pas pourquoi il y a un wagonnet là. Hein. La base. Mais bon. Ça évite de repasser tout. Tout le dialogue. Enfin tout le. Tout ce chemin assez relou. Là avec les grappins on passe beaucoup plus vite. Mais on n'a pas le grappin. On l'a pas. Et on l'a pas avant un bon moment, je crois. Enfin bref. On reviendra dans les zones de toute façon, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Il y a encore des choses à faire. Beaucoup. Beaucoup de choses à faire. Donc là, il faut aller chercher ça. Hop. Et on va aller là. Voilà, voilà, elle périt. Hop. Alors, j'ai une bombe ici. J'ai celui-là là. Je pense pas que je puisse en profiter. Je vais d'abord devoir tuer lui. Il y avait une autre bombe là. Ouais, il y avait une bombe plus proche. Ok. J'ai fait le toto. Ok, très bien. Il a pas fait son truc électrique. J'attendais un peu. Ok. On va attendre. On va attendre. Et dès qu'il commence à noircir, je me mets à courir. Voilà. Hop. Là-bas, il y a des machins, mais on s'en fout un peu pour le moment les ressources. On ira les rechercher quand on en aura besoin. Ok. Il y a des cœurs. Parfait, on rentre dans cette deuxième, enfin troisième zone du coup de l'anel. Je sais pas si c'est le bateau. Non, là c'est pas le bateau là. Non, c'est directement. C'est ça là. Ok, c'est à cet endroit là. Le galion des sables, c'est plus tard. Gorge de l'anel, sauvegarder. Vraiment, l'anel, j'aime beaucoup parce que cette première zone elle est. Bon, ça passe. C'est pas la plus intéressante de l'anel. Mais j'aime bien les mécaniques. Mais les deuxième et troisième zones sont vraiment sympas. Pas la deuxième. Okay. Mais il y a une troisième aussi. En tout cas, je les aime vraiment. J'aime beaucoup. Si vous pouvez faire des similaires sur sur Breath of the Wild 2. On va voir le button lui. Okay, il meurt. Et on récupère ça. Vous avez obtenu une fleur ancienne. Dit qu'elle fleurissait bien longtemps avant notre ère, délicate et mystérieuse, elle brille dans l'obscurité. Tout à fait. Ok.
Donc là on a ça, je peux aller là-bas aussi. Mais j'ai pas le wagonnet, c'est ça? Le wagonnet est tout là-bas. Donc il nous faudra une plus grande pierre. On a une au niveau de cet arbre là. C'est pas trop lequel quel arbre c'est, mais c'est pas je pense pas que ce soit l'origine du décutri. L'arbre mojo. Ça m'étonnerait. Parce que dans un désert c'est chaud. Ah, il passe pas. Ah, il passe pas. Par en haut, ça, c'est pas. Passe par en haut. Non. Est-ce qu'on ferait pas juste un tir de précision? De précision ne fonctionne pas. Ah, il y a une autre chronolithe là-bas. Je pense pas qu'elle soit suffisamment. Ok. Je pense qu'il va nous falloir la bombe. Scarabée bombe. Ça devrait le toucher. Ah, bah oui, il faut le balarguer depuis en haut. Ok. C'est clairement ça qu'il faut faire. Hop, je pense qu'on est suffisamment haut. Boum! Ça c'est fait. Donc non, ce n'est pas du tout un arbre mojo parce qu'il était. Ah si, voilà. Mais non, ce n'est pas l'arbre mojo, il est chez les. Il est dans la forêt de Firon forcément, mais. Il est quand même assez imposant cet arbre. C'est son frère. Hop, et on le découpe. Ah voilà. J'ai hacké le jeu. On peut le faire pendant. Ou il y a une grille aussi de ce côté. Je pense pas. J'ai pas vu qu'il y avait une grille. C'est embêtant. On monte. Hop. De ce côté. Là on arrive devant la porte brisée. On va devoir trouver un autre moyen. Je sais pas si on a une cinématique ici. Flûte. Je me suis chié. Ah là là. Ok, c'est bon. On a notre ami. Pensez que. Là, la bombe elle suffit pas. Hein. C'est pas assez puissant pour faire péter ça. Bon. En tout cas, il y a des trucs derrière. Intéressant. Ça me fait vite, vite dégager. Hein. Loul. Tiens, comment on se retrouve? Je sais, je suis mal placé pour dire ça, mais t'es vraiment partout, toi. Enfin, écoute, plutôt, j'ai fait la découverte du siècle. Ici, c'est le Temple du Temps, un endroit hautement sacré. Ah, c'est carrément le Temple du Temps? Ah ouais. Et là, j'ai vu des habitantes de la légendaire île de la déesse. Je les ai vues de mes yeux. Elles avaient des vêtements identiques à ceux décrits dans les écrits anciens, et elles te ressemblaient beaucoup. Elles étaient deux. Quand elles ont franchi ce portail, j'ai voulu les suivre. Mais il y a eu une grosse explosion, et le portail s'est retrouvé dans cet état. On peut plus passer par là. Je me demande bien ce qu'il y a de l'autre côté. Eh oui. Ça c'était bien Zelda du coup et notre ami Impa du coup, mais on sait pas qui c'est. Enfin on sait pas encore que c'est Impa. Mais. C'est une chronolithe ça? C'est une chronolithe. Hop. On va le faire avec ça, ça va être plus rapide. Que le petit scarabée. Je vais pas toucher. Attendez, là, c'est du foutage de gueule, on est d'accord. What the fuck, pourquoi il le tient? Ah, quand même. What the fuck, j'avais le point et il tirait sur la gauche du. La chronolithe, c'était un peu zarbi. Donc lui, il se cache
de son agresseur. Non, je vais faire le temps. J'ai chié, j'avais fait une bonne... Ah, il sort pas. Ok, vous êtes niqué. Et ouais, vous êtes niqué. Oui. Tu peux pas sortir, tu peux pas sortir, tu peux pas sortir. Ha ha ha. Et ouais, t'es en PS là. Et voilà. Boum. Coucou. J'ai eu chaud, merci de m'avoir aidé. Là-bas, c'est le temple du temps. Il renferme la sainte porte du temps érigée par la déesse. Je suis chargé du ménage autour du temple. Si tu veux te rendre à la porte du temps, il faut passer par ce portail. Comment, s'il y a un autre moyen d'y accéder? La raffinerie de l'année est reliée au temple du temps par un passage souterrain. Je vais t'indiquer où elle se trouve. Tiens, ta carte, elle est bizarre. Attends, je vais corriger ça. Ah non, c'est une carte actuelle en fait. Voilà. La raffinerie de l'année est un peu plus loin, sois prudent. Ok, merci bonhomme. C'est bien sympa. Maître Link, faille au rapport. Votre carte correspond à 35% à la zone où nous nous trouvons. La topographie actuelle de cette zone est très différente. Le robot a modifié votre carte pour qu'elle représente la zone dans le passé avant qu'elle ne soit recouverte par les sables. Bien, merci, nous n'aurions pas découvert ça par nous-mêmes. Mais enfin bon. Ah. Pas mal. On va faire ça. Et du coup, il y a un pont, un tunnel, on passe dans le tunnel. À côté de la pierre, on passe au-dessus. Il y a un pont, on passe dessus, dessous. Dessus. Parfait. Des petits coffres de l'île de la déesse. C'est ça qu'on veut, du bonus. Et hop là. Oh merde, mon bouclier. Bon. Là, il y a un moyen de se rebarrer. On n'a pas besoin pour le moment. Se rebarrer, on en a besoin. Là, on repasse par là, ok. On est où exactement? On est là. Donc en fait, on est rentré par là. Mais on pouvait probablement pas y aller de base. Donc là, normalement... Non. C'est là le mur, ok. Normalement, on est sur le chemin. Oui, c'est ça. Maître Link, faille au rapport. Vous vous trouvez sur des sables mouvants dans lesquels vous ne pouvez pas vous enfoncer. Je vous conseille de consulter votre carte. Et oui, les voies qui étaient là autrefois sont actuellement enfouies sous les sables mouvants. Vous pouvez donc marcher dessus sans risquer de vous enfoncer. Je vous conseille de placer des balises sur votre carte pour repérer les voies d'autrefois et les emprunter. Je vous conseille d'utiliser plusieurs balises. Eh oui, mais nous n'avons qu'une. Hop, maintenant on en a 5. C'est cool, hein. Là, on peut changer, on peut aller là. Il faut qu'on aille ici, donc il faut qu'on monte. Là, on peut monter par là. Et on peut monter par là, ok. Bah écoute, on n'aurait pas deviné que c'était là. Hop. Yeah. Ok, maintenant on va devoir chercher les clés. Ok. Bonjour vous. On a les bombes. Ici on n'a rien. On peut s'asseoir. Et on peut faire péter tout ça. Allez, voilà où. Et le piaf il me fait chier encore ou non? Ok. Boum! Oh, une chronolite. C'est étonnant. Il y en avait vraiment partout quand même. Hein. Par contre, il y a des méchants derrière nous. Faut faire gaffe. Ouais.
À dégager. Bonjour toi. Qui es-tu? C'est ceci le générateur qui contrôle l'entrée de la raffinerie de l'anneil. Il est impossible d'ouvrir la raffinerie sans la combinaison composée de trois symboles. J'ai détecté dans les environs des matériaux identiques à ceux qui composent le générateur. Vous pouvez localiser à l'aide de la détection. Bah c'est bien pratique. Fort bien pratique ça. Ok. Eh bien écoute. Nous allons y aller. Alors on a un ici. Un autre là-bas plus proche encore. On en a un ici, mais ça c'est logique. Il y en a un là. Qui est dans un de ces trucs. Il y en a un tout là-bas. Et il me semble qu'il y en avait un autre plus là-bas. Voilà, c'est ça. Bon, on va essayer de faire celui-là. Donc, la carte, une balise ici et ici. Voilà, et là, du coup, on a notre angle. Là, par contre, il y a un piaf. Là, c'est safe de passer ici. Par contre, il y a le piaf. Si vous pouvez le tuer. Avant qu'il nous bute. Donc, on va aller faire ça. On va aller buter le piaf. Ça c'est pas fun par contre. J'ai pas une bombe là. J'ai pas de bombe dans le coin. Attendez. J'ai vu une statue de la déesse déjà. On va les sauvegarder. On va toutes les activer parce que sinon c'est la loose. Parce qu'on peut pas redescendre par cet endroit là. Donc c'est chiant. Bon, s'il n'y a pas de bombe, on va... Merde. Il n'a pas fait. C'est qu'il la prend là. Il y en avait au sol, je crois. Il y avait une au sol. Donc, on va y aller par le sol. Hop. On va... Ouais, non, attendez. Pas se faire chier. Juste aller couper ça. On va les faire péter à distance. Boum. Il y a une chronolite, bah, c'est parfait. On y retourne. Ou je fais péter le piaf. Bon là, voici. Je vais faire péter le piaf. Il sera mieux. Coucou piaf. Je suis un petit scarabée piégé. Boum. Coucou piaf. Allez, dégager. Hop. Maintenant, ça c'est bon. On fait ça. On peut y aller tranquillo Arturito. Ah non, on peut pas y aller à... Merde, on peut pas y aller tranquillo Arturito là. Flûte. Merde. Je me suis fait avoir. Je me suis fait U. Normalement. Là on est tranquille. Et là ça va bien se passer, là il y a une liaison partout maintenant. Parfait. Pas faire genre une chronolite de masse qui remet tout dans le passé. Non, ce n'est pas possible. Je crois que c'est pas la bonne. Si, c'est la bonne. Parfait. J'ai ouvert la bonne. Bonjour, toi. Tu cherches la combinaison pour entrer dans la raffinerie de l'anneil? Tu as l'air très bizarre. Je ne donnerai jamais la combinaison à un individu aussi suspect. Surtout, ne touche pas au générateur et ne t'amuse pas à y planter cette épée. Ce qui est bien, c'est que. Je ne dis absolument pas ce qu'il faut faire. Hop. Ça me donne la combinaison.
Donc flamme, il est à gauche. Hein. Ok. Flamme, c'est à gauche. Flamme, c'est à gauche. Parfait. Ensuite, le second, il est vers là-bas. Bon. Il y a une fissure dans le mur. On peut supposer que c'est là. Je pense. Ouais. Là, pour le coup, celui-là, il est pas très caché. Il est pas très camouflé. Par contre, il y a une... Ah merde, il y a une zone derrière. Ah wait, attendez. Merde, c'est pas là du tout. Ah merde. Qu'est-ce qu'il a ici? Parce que là, ça clignote plus du tout. J'ai vu des rubis. Merde, il me roule dessus là. Flûte. Je pensais pas. Là, il crève. On n'en parle plus pour le moment. Il y en a un de ceux-là qui est une chronolite, hein, on est d'accord. On va essayer de faire ça bien. Ok, c'était celui-là. On a pu le s'en douter. Attendez qu'il est au milieu de la pièce. Hop. Bonjour. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle de ça. Cancer, ce truc. On va monter comme ça. Il y a un petit coffre aussi. Ouvre le petit coffre de 20 rubis probablement. 5 rubis. Oh là là, ce foutage de gueule. Ça c'est du foutage par contre. Et boum, lui on l'a défoncé. Alors que ça fait ça. Maître Link, Fire Rapport, mon analyse indique qu'il est possible d'accéder au générateur en lui fournissant une source d'électricité. Et voilà. C'est pas ça que je voulais faire. Merde. Allez, putain. Allez. Allez, mais prends-le. Quoi? Incroyable. Ouf. Nous avons réussi. Sans crever. Ah voilà. Voilà, lui aussi il est là. Donc ça n'a aucune espèce d'importance. Éclair. Symbole de l'électricité. Et de la foudre. Donc on a eau, foudre. Il manque feu. N'est-il pas? Bref. On va ressortir Pépouze. Ça nous répare notre bouclier aussi, sûrement. Je pense qu'il était temps de la prendre. Hop, moi je me casse. Ciao, les gars. Hop. Retournez dans votre passé. Nous, on est dans le présent, mais qui est le passé également de
de tous les Link en fait, donc c'est un peu le passé quand même, hein. Mais bon, c'est le présent de la ligne temporelle actuellement, je trouve ça cool, j'adore. J'adore avoir l'histoire originelle et la suite de l'histoire. Vivement la suite de l'histoire de Breath of the Wild 2. Ouais, j'en peux plus d'attendre, hein. Vous êtes au courant. Vous êtes au courant. Ok, merde, on n'est pas... Non, j'en ai pas d'autres. C'est par là-bas, je crois. Ouais, c'est ça. Ok, alors. A priori, ici. On est bon. Donc, on va zoomer. Zoomer. Hop. Une statue d'oiseau ici. Je me mets là. Là. Et là, il y a l'autre cercle, il est là. Ça en aura un aperçu. Hop. L'autre cercle s'arrête ici. Qu'y a-t-il ici? Absolument rien. Juste un gros noisio. Oh. Non, merde. Je me suis un petit peu trop aventuré là. Il y a eux qui. Il y a eux qui font chier. Ok. C'est plus par là. Parfait. Ok, plus vers là-bas. Très bien. Là, ça rame. Ça freeze. Ok, il est dans le truc. Alors déjà, on va ouvrir la porte. Bon, allez, voilà. Donc, ça c'est fait. Et ensuite on va rentrer, hein, tout simplement. C'est un autre mini temple, ça. Petite statue de la déesse Pépouze. Non, on va rentrer dans la raffinerie, on fera ça après. On va faire ça, on va rentrer dans la raffinerie et on coupera l'épisode là, je pense. Voilà, histoire qu'on ait fait quand même une petite partie. Petite zone avant de couper. Oula. Il faut trouver le chronolithe. Avoir comme un bleu. Ça reste celui-ci. Je ne pense pas. Non. Pas de chronolithe. Je me suis pas fait avoir deux fois. La bombe qui roule, qui roule, qui roule. Merde, elle roule trop loin. Elle est au milieu, la chronolithe, là. Parfait. Ça dégage. Hop, on creusera pendant que ça pète. Hop, 2 rubis, 3 rubis, ça pour 3 rubis. Merci. On va prendre ça. Boum. Et hop là. Usine le retour, et là cette fois on va... C'était plus probablement lui dont je me rappelais. Qui était chiant. Fallait du coup 2. Ah. Comment je monte là? Il faut que je déplace les blocs. Déjà on va tuer les affreux. Ah. On va se débarrasser de ceux-là déjà. Au moins, ils nous font plus chier. Boum. Ah,
ça c'est bon. Là on y est. Alors, petit coffre. Si c'est 5 rubis, non mais sérieux. On pourrait mettre au moins 10 quoi. Alors, hop, ça on est là. Si c'est bon. On peut pas le déplacer. Eh. C'est le souci. Un tonneau. On va pouvoir en faire. Donc, ce qui est important. Ah merde, il y a un autre affreux là. Tant pis. Sauter ici. Tout à l'heure, je pouvais pas. Parce qu'en me mettant là. Je peux. Activer ça. Voir ce qui se passe. Non, je peux pas plus monter. Hein. Mais je peux peut-être apporter un tonneau. Et oui. Merde. Je pouvais probablement apporter le tonneau. Je crois qu'il y a un affreux qu'on n'a pas tué. Voilà, on va le tuer. Comme ça c'est fait. Toujours 5 rubis, mais on prend quand même. Là je peux pas monter ici. Paye. C'est fun. Le fun en barre. Là on passe ici. Et là, hop, la chronolite. Ou le chronolite. On s'en fout. Non! Je ne voulais pas taper ça. Mais ils vont me faire chier. Ok, il est mort. C'est que je peux atteindre le tonneau là? Ouais. Par contre, la question c'est est-ce que je peux le. Il y a encore des cœurs. La question par contre c'est est-ce que je peux l'envoyer là-bas? On y roule. C'est bien du générateur. Ah, est-ce que... Je passe comme ça. Après, il se demande comment moi lui suis allé. Ok, là je pousse ça. C'est parfait. Hop. On prend le coffre parce qu'on est sympa. Pim pim pim, vous avez obtenu un minerai d'ordine. Ok, pourquoi pas. Ça peut être utile. On commence à accumuler des petites ressources sympathiques. Hop, pas dans le sac par contre. Crève pas. Ok. On a survécu. Ça, on y va là. Et maintenant, il faut que je fasse venir ça. Chien par contre. Hop, alors ça en fait je m'en rappelle plus du tout de cette phase là. Il semblait qu'il me fallait que j'en ai deux à un moment. Putain, je l'ai loupé. Non, on redescend pas. Il semblait qu'il m'en fallait deux. Ah merde.
Il redescend. Putain. Ça va être chiant. Ah mais non, je peux envoyer le... Je me fais chier pour rien là. Hein. Oui. Putain, je peux envoyer le scarabée. Mais oui, je me disais. C'est bien, il y avait un truc. Je me rappelle pas avoir fait ça. On va pas me faire chier à l'envoyer là-bas. On a le scarabée qui est parfait. Parfait pour la tâche. Hop. Voilà qui est mieux. Bah monte. Merci. Non mais oh. Hop là. Non, par contre fais pas le con. Faut que tu me le prennes quand j'appuie sur A quoi. Et lance-le quand je... Ah oh, quand je bouge la manette. Sérieusement. Allez prends-le mais... Mais putain de merde. Ça me saoule. Je peux pas le prendre quand je suis en lock. Putain. Relou. Relou le contrôle. Non mais oh quoi. Heureusement que je m'étais pas pris des coups avec... avec les... leur forme électrique là. J'avais tout paré avec mon super coup de nunchuck. Parce que sinon, bah, je serais mort en fait, hein, tout simplement. Encore 5 rubis, c'est ça? 5 rubis, c'est ça. Quelle chance. En effet. Allez. Hop. Je boum. Cette fois, ça va être le feu. Waouh, c'est étonnant. C'est original. Machin, il pop miraculeusement. T'as un bout de pierre qui pop. C'est insane. Maître Link fait au rapport. Vous avez découvert les trois symboles. Retournez au générateur qui se trouve devant la raffinerie de l'anel. Alors, c'est pas de la pierre, c'est du métal, mais on s'en fout. Attention. Tout le monde s'en fout. Et hop. Là, on court. Heureusement qu'on s'était débarrassé des affreux. Parce qu'au moins... J'aurais pu me prendre une décharge et perdre deux cœurs, là. Ouais, pas des cœurs par hasard. Non, pas de cœurs. Hop, désolé à tous ceux que j'ai donné la gerbe avec ce petit mouvement de demi-tour. Je m'excuse d'avance. Enfin, je m'en excuse plutôt. Parce que je m'excuse. C'est un petit peu, comment dire... S'auto-pardonner, quoi. Donc c'est complètement aberrant. Bien évidemment. Alors je sais pas si ça vaut le coup de passer par là, pour remonter là-bas. Ou vaut mieux faire le tour. Je pense qu'on vaut mieux faire le tour. Allez, on va faire le tour. Là. On va passer... C'est par où qu'on passe, par là. Je pense, hein. Par là-bas, c'est compliqué, hein. Ouais. Donc là, faut juste courir au milieu. En ligne droite. Attendre. Et courir. Sauter là et on peut remonter tranquillo Arturito ici présentement même. Voilà qui est magnifique. Hop, chronolithe, bonjour. Ça ne lag pas du tout. Non, c'est faux. Et on va maintenant faire nos symboles. Alors on a haut à gauche, feu, enfin électricité en haut et feu 3 quarts bas. Ok, donc ça, non, on a l'eau, on a dit l'eau ici. Ensuite, le feu 3 quarts bas, encore un peu, voilà, et l'électricité en haut.
voilà qui est parfait. Boum. Le mécanisme fonctionne encore alors que c'est derrière et qu'il n'y a pas la chronolithe. C'est fou, n'est-ce pas? C'est fou. Mais c'est magique. La raffinerie de l'Anel qui est en forme de gros bonhomme à moustache. Si, si, je vous jure. Regardez. Hop. Je sais qu'on voit des visages partout, mais là. Là, quand même, les deux yeux en vert, le nez au milieu, la moustache en haut. Enfin, bref. On n'est pas là pour dire ça. Ce sera la fin de cet épisode, les amis. Et oui. Mais dans le prochain, on va continuer tout simplement. Donc je vous dis merci à tous de l'avoir suivi. Et je vous dis également à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde.